qui arrive actuellement sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. J'étais assis et puis on m'a envoyé un message. C'est vous seulement qui commencez. C'est pas moi, c'est vous. Moi, normalement, je ne suis pas dedans. Mais c'est vous qui commencez. J'étais assis, je vois seulement on m'a envoyé un message. Pas le message est rentré. Pas. J'ai vu la tête d'une des mamans là. Des mamans là qui vous demandent l'argent sur WhatsApp. On m'a envoyé un papier Western Union. Hein? Et la servante improvisée a demandé Western Union à une femme. Bon. Moi aujourd'hui, je veux parler des servantes improvisées. Vraiment, pardonnez-moi, hein. Vous savez, je ne cherche pas les problèmes, mais je cherche à éclaircir les peuples de Dieu. Donc, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Hein? Voilà. Voilà, c'est pas de ma faute, mes amis, mais hein? Quand il faut éclairer les peuples de Dieu, il faut le faire, hein. Il faut le faire, hein? Il faut éclairer. Donc, comme je vous dis, comment reconnaître un homme de Dieu authentique et un homme de Dieu improvisé? Voilà. C'est qui un homme de Dieu improvisé? Un homme de Dieu improvisé, c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un évangéliste qui s'est fait pasteur lui-même. On ne l'a pas appelé, il s'est levé, il a vu les autres faire, lui aussi il est rentré dedans, il fait. C'est lui le serviteur improvisé. Mais il y a des signes pour reconnaître les serviteurs improvisés. Il y a beaucoup de signes, dont je vais vous citer quelques signes pour que vous puissiez reconnaître les serviteurs de Dieu improvisés. Parce qu'aujourd'hui sur TikTok, vous avez beaucoup de serviteurs qui se sont improvisés, pasteurs, évangélistes, prophètes. Ils se sont créés des noms comme ça pour vous plaire, hein, pour que vous puissiez les aimer. Voilà. Un serviteur improvisé, de un, c'est un homme qui aime les louanges. Vous allez voir, c'est un pasteur qui aime qu'on l'adore. Il veut qu'on l'appelle daddy. Il veut qu'on l'appelle mamie. Il veut qu'on l'appelle berger. Il veut qu'on l'appelle ancien. Il veut qu'on l'appelle évangéliste, pasteur, prophète. Ce sont des gens qui aiment la louange des autres. Ils veulent que les gens puissent les louer. Hein? Ils aiment ça. Vous allez voir un homme de Dieu qui dit, ne m'appelle pas Janine, appelle-moi Maman Janine. Ne m'appelle pas Jean, appelle-moi Pasteur Jean, Excellence Jean. Vous allez comprendre que celui-là, c'est un aventurier. Il vient juste créer sa besogne devant vous. C'est important. Est-ce que vous me suivez bien? Ça passe bien. Voilà, c'est très important. Première chose, c'est des personnes qui aiment qu'on les adore et qu'on les loue. Ils sont dans le culte de la personnalité. Donc, un homme de Dieu improvisé va tout faire pour que le peuple de Dieu puisse l'adorer. Vous allez voir sur TikTok, cet homme de Dieu va faire les vidéos pour faire plaisir aux gens. Il va créer des thèmes pour faire plaisir aux gens. Jamais il viendra prêcher un message qui va toucher et que les gens vont l'énerver. Jamais. Il ne veut pas que les gens s'énervent contre lui. Deuxième signe des hommes de Dieu improvisés, c'est les personnes qui n'aiment pas qu'on puisse les haïr. Ils veulent toujours qu'on puisse les aimer. Quand vous voyez un pasteur ou un homme de Dieu, veut seulement que les gens puissent l'aimer. Aimez-moi, aimez-moi. Quand il fait des messages, personne doit dire non. Tout le monde doit l'aimer. C'est un improvisé. Parce qu'il veut, faire plaisir aux gens. Et quand tu veux faire plaisir aux gens, tu n'acceptes pas que les gens soient contre ton message. Donc, tout quand vous voyez un serviteur de Dieu qui ne veut pas, il veut que tout le monde l'aime, il veut que tout le monde dise qu'il est bon, il est fantastique, il est exceptionnel, c'est qu'il a un problème. Dans la vie, quand tu sers Dieu et que Dieu t'a appelé, tu vas accepter que certains t'haïssent, tu vas accepter que certains t'aiment. Mais si un pasteur n'aime pas qu'on puisse l'haïr, allez-y voir dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas fini de régler. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Vous avez des serviteurs de Dieu ici sur TikTok qui se sont improvisés pasteurs, pasteresses. Elles veulent qu'on puisse les aimer.
aimez-moi, aimez-moi. Quand on vient leur dire des vérités, elles se fâchent. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi vous fâchez? Ce que vous avez fait, c'est vrai ou c'est faux? C'est à vous de dire. Comprenez? On a créé un logiciel qui s'appelle TikTok pour que les gens s'amusent. Vous venez transformer ça en église. Matin, midi, soir, vidéo. Matin, midi, soir, vidéo. Matin, midi, soir, vidéo. On ne peut même plus respirer. Matin, midi, soir, c'est vous qui avez des révélations. Oh, quatre têtes de ça, six têtes de ça. Est-ce que ce logiciel ne peut pas se reposer? Regarde-moi, ça fait des jours que je ne fais pas de direct. Je ne suis pas mort. Et vous allez remarquer, tous ces serviteurs-là, c'est des personnes, ils sont toujours dans les prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Demain, ils vont parler du sexe. Le lendemain, ils vont parler du mariage. L'autre jour, vous parlez des orteils. Prenez aussi le temps de lire vos Bibles et de rester chez vous. Prenez aussi soin de vos familles. Donc, j'ai dit deuxième signe pour reconnaître les serviteurs de Dieu improvisés. Ils n'aiment pas qu'on puisse les contredire. Ils ne vont pas aimer ça. Ils n'aiment pas ça. Quand tu essaies de le contredire, il peut te faire du mal. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on puisse les contredire. Ils veulent que tout ce qu'ils disent, que vous puissiez accepter. Troisième chose pour reconnaître les serviteurs improvisés, ils sont là pour une seule cause. Pour l'argent. Ils sont là pour l'argent. Ils peuvent s'appeler prophètes, évangélistes, mais ils sont là pour l'argent. Ils vont vous demander l'argent par WhatsApp. Ils vont vous demander l'argent dans leur groupe. Écris-moi par WhatsApp, hein. Écris-moi. Lorsque tu l'écris, il te dit, donne-moi l'argent. Il faut s'aimer. Il faut donner les offrandes. Il faut donner ça. Il faut bâtir l'autel. Quand vous voyez un serviteur de Dieu commence à vous dire de lui envoyer l'argent, c'est un voleur. Captivez sa vidéo, envoyez-moi ça. Captivez ses écrits, envoyez-moi ça. Ne vous cachez plus. Un pasteur, un prophète vous demande de l'argent. Il vous texte. Prenez son message, envoyez-moi ça. C'est ça. Envoyez-moi son nom, son prénom et son numéro. Parce que je vais l'appeler pour lui dire d'arrêter cette escroquerie. Donc, troisième chose qui motive les serviteurs de Dieu improvisés, c'est l'argent. Ils savent qu'en créant une église, ils auront la facilité de dépouiller les enfants de Dieu. De leur dire, donnez l'argent à Dieu et ils vont donner. Ils savent qu'en créant l'église, les chrétiens sont trop moumous pour accepter tout. Dieu me montre, tu as telle malédiction, tu as tel esprit, il faut que tu sèmes. Donne tel argent et les chrétiens vont donner. Il suffit qu'on parle de diable, qu'on parle de sorcellerie, les enfants de Dieu deviennent faibles. Et ils connaissent, ils savent que vous êtes faibles. Voilà pourquoi ils appliquent toutes ces choses sur vous. Troisième chose, j'ai dit l'argent. Vous allez voir ces hommes de Dieu, ils vont commencer à créer des soirées, des prophéties, des soirées, des messages. Après, ils vont vous appeler par WhatsApp, envoyer l'argent. Et vous qui envoyez l'argent, vous êtes en train de vous faire escroquer. Je vous dis, aucun homme de Dieu ne doit vous demander l'argent sur Internet. Aucun, je répète. Aucun homme de Dieu ne doit demander l'argent. C'est si vous êtes touché que vous appelez la personne, vous lui envoyez l'argent. Mais lui, le pasteur ou le prophète qui te parle de Jésus ne doit pas demander de l'argent. Dès qu'il demande, il est hors doctrine. Il est à côté. Il tape dans le mur. Et les gens savent qu'aujourd'hui, on peut facilement bouffer l'argent des chrétiens. Bouffer l'argent d'un chrétien, c'est facile aujourd'hui. Tu lui mens. Tu as des sorciers dans ta famille. Tu as des esprits. Il va commencer à trembler. Qu'est-ce que je veux faire, pasteur? Il faut donner offrande. Tu donnes offrande. Le lendemain, il faut donner offrande. Tu donnes. Et lui, il prend cet argent, il mange, il s'habille, il paye son loyer, il vit bien. C'est toi qui souffres. Vous comprenez? Quatrième chose, pour reconnaître les serviteurs de Dieu improvisés, c'est ce que moi j'appelle le manque de sérieux et la précipitation à laquelle ils veulent servir Dieu. Aujourd'hui, les gens qui servent Dieu ne prennent plus le temps d'apprendre. Ils ne veulent plus prendre le temps d'écouter. Ils veulent sauter dans la barque, commencer à prêcher et devenir pasteur en même temps. Non, ça commence pas comme ça. Dans la vie, il faut avoir un temps où tu dois apprendre. Où tu dois comprendre. Sinon, si tu vas à la guerre sans faire la formation, l'ennemi va te tuer vite.
Voilà pourquoi vous remarquez les pasteurs qui meurent, les prophètes qui meurent vite, parce qu'ils ont raté quelque chose. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quelqu'un allume son téléphone, TikTok, pas, il écrit prophète, il commence à prophétiser. Une madame vient, elle porte le foulard, elle allume, elle se met devant une église, elle commence à vous parler, elle est servante de Dieu. L'autre, il sort d'où, de Chikangwanya, il sort comme ça, il allume son téléphone, prophétesse. On ne sait pas d'où elles sortent, on ne sait pas d'où elles viennent, vous ne connaissez pas leur comportement. Alors, moi, j'ai une historique, hein. Si tu demandes aux gens qui suivent mes vidéos depuis 2015, je suis là, j'ai fait les vidéos, c'est le même thème. Il y a des gens qui me connaissent comme ça. Ils sont amis avec moi, ils vont témoigner. Mais vous qui vous proclamez prophétesse, prophète ici, là, vous avez commencé où? Quel est votre CV? TikTok n'est pas une église. TikTok, c'est une application. Alors, n'amenez pas votre amalgame de chrétiens que vous avez de venir bousiller tout ce que les gens créent. Parce que les chrétiens ont de l'excès dans ce qu'ils font. Ils sont toujours à l'excès. On lui dit de dire A, lui va dire A, B, C, D. On est toujours dans l'excès. Oh, une femme ne doit pas porter les pantalons. Bon, si une femme est militaire, elle va aller en guerre avec la jupe. Un homme ne doit pas garder beaucoup de cheveux. Bon, j'ai mon cousin Malik qui est métisse. Il va faire quoi? Il va couper ses cheveux parce qu'il est métisse. J'ai ma nièce qui a de longs cheveux. Vous comprenez? Il faut qu'on arrête de vouloir imposer notre dictature aux autres. La chrétienté n'est pas une dictature. La chrétienté, c'est un choix. C'est une proposition. Je vis des chrétiens dans les rues qui était en train de forcer les gens à accepter Jésus. Accepte-le, tu iras en enfer, accepte-le. L'évangile de Dieu n'est pas un forcing, n'est pas une imposition. C'est un message de paix et de gloire. Si quelqu'un accepte, il a Jésus. S'il ne veut pas, c'est son choix. Mais on a des chrétiens aujourd'hui qui veulent imposer aux autres ce qu'ils font. Dieu ne vous a pas dit d'imposer Jésus, Dieu vous a dit de prêcher Jésus, de parler de lui et de ne pas discuter. On a des chrétiens aujourd'hui qui font des discussions avec les musulmans, avec les autres religions. Mais vous perdez votre temps. Jésus n'a pas discuté avec d'autres personnes. Voilà pourquoi tu vas arriver sur ma page, jamais tu vas me trouver en train de discuter avec quelqu'un. Je n'ai pas le temps de discuter, j'ai le temps de parler de Dieu. Arrêtez vos histoires, là vous perdez votre temps. Discuta, Jésus était noir, Jésus était blanc. Mais tu penses quoi? Vous perdez votre temps. Allez prêcher, allez ramener les âmes. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, on a beaucoup de serviteurs de Dieu improvisés aujourd'hui sur TikTok. Beaucoup. Beaucoup sont là seulement pour que vous puissiez payer leur loyer. Beaucoup sont là seulement pour que vous puissiez... Déjà, un pasteur qui s'est fait payer par une église, c'est un voleur. Bon, excusez-moi, un pasteur, tu t'es fait payer par une église. Tu es pasteur, tu es assis, l'église te paye. Tu es un fainéant. Tu es fainéant. Ouais, tu es un paresseux. Excuse-moi, mais tu es paresseux. En 2022, tu es pasteur, tu fermes les bras et puis tu attends les salaires qui sortira de l'église. Tu es un paresseux. Répète après moi. Je suis paresseux. Voilà. Tu es un paresseux. Donc toi, tu es assis, on te paye, tu ne travailles pas. Tu as un problème. Il y a une sœur qui m'avait appelé, frère, je suis dans une église, les pasteurs ne travaillent pas. On paye son loyer, on paye tout, on a même pris les crédits pour sa voiture. J'ai dit, quitte cette église-là, ce n'est pas la peine. Oh non, non, mais comment? J'ai dit, quitte, ce n'est pas la peine. Si lui-même il n'est pas capable de s'acheter des choses, comment vous allez être capable? Comment il va vous parler d'un Dieu grand alors qu'il n'a même pas la capacité de se payer son appartement et que c'est vous qui payez? Comment il va vous imposer les mains, dire que vous êtes maudits? Comment ceux qui sont maudits arrivent à payer vos salles? Comment ceux qui sont maudits arrivent à payer vos loyers? Comment ceux qui sont maudits arrivent à payer l'école de vos enfants? Comment vos fidèles là qui sont maudits, ils arrivent à vous vêtir, pasteur? Expliquez-moi ça. Expliquez? Vous ne pouvez pas expliquer. Parce que si vous traitez les enfants de Dieu des maudits, des sorciers,
Comment les sorciers de l'église peuvent te payer, toi, un loyer, toi, pasteur? Tu vois que tu es insuffisant. Vous parlez d'un Dieu grand, mais vous vivez une vie de petitesse. Vous dépendez des petites dîmes et offrandes des enfants de Dieu, des petites enveloppes. C'est triste, mais c'est une vérité. Si tu es un grand homme de Dieu, tu vas travailler, tu vas avoir un salaire, tu vas miser ça à l'église. Sois un exemple, pasteur. Un pasteur chômeur qui veut avoir dans son église des jeunes garçons qui travaillent. C'est de l'injustice. Comprenez? Moi, je ne fais que dire la vérité. Comprenez? Aujourd'hui, en 2022, un pasteur doit travailler. Un évangéliste doit travailler. Un prophète doit travailler. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur TikTok du matin au soir, attendre que quelqu'un vous envoie l'argent. Non, ce n'est pas bon. Excusez-moi, mais ce n'est pas bon. Et vous qui envoyez de l'argent, vous voulez juste vous faire duper. Comme on dit, l'homme noir aime la chicote. Donc vous voulez qu'on vous chicote mentalement, physiquement. Après, qui vont payer les prix? C'est nous. Vous allez nous fatiguer dans nos téléphones avec vos messages. Frère William, ça va pas. Il a pris mon argent. Mais il a pris ton argent quand on t'interdisait de lui envoyer. Tu voulais pas. Tu disais qu'on est mauvais. Donc, c'est ça le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Cherchez une église où le pasteur est exemplaire. Où là-bas, les hommes de Dieu bossent comme des malades. N'allez pas dans une église des chômeurs où les gens ne travaillent pas. Ils vivent à cause d'un salaire qu'on leur donne à l'église. C'est triste, vous comprenez? C'est ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Faites attention, faites attention. Oui, ça fait longtemps, faites attention. J'observe TikTok, j'observe tout, et puis je vois qu'il y a beaucoup de faux sur TikTok. Il y a beaucoup de faux. Avant, c'était pas comme ça, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Donc, chacun veut être pasteur de sa manière, chacun veut être évangéliste de sa manière, chacun veut ouvrir sa chaîne YouTube de sa manière, chacun. J'ai vu une dame qui est venue donner une prophétie au la sauce graine est satanique. La sauce graine. Oh, j'ai rêvé. Dieu m'a dit que la sauce graine va nous amener en enfer. Quelle relation y en a entre la nourriture et Dieu? L'autre, elle vient dire, oh, le poisson, ne mangez pas le poisson, si vous mangez, ça va vous apporter du péché. Le poisson maintenant donne le péché. Et les gens sont en train d'écrire, amen maman, sois béni, on va plus le faire. Mais est-ce que vous raisonnez? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui marche pas? Il y a quelque chose qui marche pas avec les chrétiens. Réveillez-vous. La seule personne qui peut te donner une vision, c'est Jésus. J'ai vu une sœur aussi qui était venue, elle fait une vidéo pour les draps. Elle prend le drap et dit, je suis allé acheter ces draps. J'ai amené ça chez moi. J'ai mis ça dans les lits quand je me suis couché. J'ai commencé à voir les esprits. Ma sœur, ce n'est pas les esprits que tu as vu. Tu n'as pas de mari. Tu es célibataire. Tu te maquilles pas, tu te brosses pas. Tu es sale. Tu te négliges. Mais tu veux maintenant quoi? Tu te négliges? Et tu veux maintenant quoi? Tu veux qu'un mari vienne? C'est quel mari qui va épouser une sale femme? C'est quel mari qui va épouser une femme qui ne se brosse pas? Qui ne met pas de parfum? Qui sent mauvais? C'est quel homme? Cherchez-moi l'homme qui va épouser ça. Vous êtes là avec vos histoires de dépouillement. Vous vous dépouillez mille pouillements. Et les hommes vous fuient. Vous regardez toutes ces femmes qui mettent plus de maquillage, qui mettent plus de perruque. Elles sont toujours célibataires. Aucun homme s'approche d'eux. Aucun. Parce que ça sent la puanteur de ça. Attention. Hein? Vous faites fuir les hommes vous-même dans vos propres vies. Vous-même. Vous-même, vous faites fuir les hommes. Un frère veut t'épouser, il est prêt. Mais quand il voit la manière à laquelle tu t'habilles, quand il voit les longues robes, les longues chaussures, oui, on dit qu'on regarde au cœur, oui, mais quand même, prends soin de toi. J'ai vu une sœur qui a cassé des parfums, elle a cassé des choses. Oh, je ne veux plus faire ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui, hein, 45 ans célibataire, elle est toujours là et tourne en rond. Tous ses amis sont partis. Continue. Quand on vous dit la vérité, là, vous ne voulez pas écouter. Moi, je seulement dis des vérités, ne vous fâchez pas.
Les chrétiens ne bossent pas. Ils ne travaillent pas. Hein? Ils ne travaillent pas. Nina, il y a la différence entre être naturel et être sale. C'est une différence. J'espère que tu comprends le français. Voilà. Parce que les réponses à base ouverte, sans réflexion, souvent ça m'étonne. Donc, et être naturel et être sale, c'est deux choses différentes. Donc, il faut comprendre ça. Je parle de la saleté. Donc, je pense que le français, pour certaines personnes, n'arrive pas à entrer dans le cerveau. On doit parler soit en lingala, soit en langue africaine, parce que je comprends pas. Quand je me suis exprimé, j'ai parlé de la saleté. J'ai pas parlé de naturel. Il y a des femmes naturelles qui sont belles. Mais moi, je parle de ces femmes-là qui sont naturelles et qui se négligent. C'est deux choses différentes, ma belle. Comprends? Donc, il faut savoir comment s'améliorer, comment comprendre les choses. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent pas à assimiler le vrai message qu'on dit. Ils veulent toujours tourner autour du pot. Et ça, c'est pas une bonne chose. Vous voyez? Toi, tu es marié, c'est bon. Mais il y a tes amis qui sont pas mariés. Il y a des hommes aujourd'hui, des hommes qui n'arrivent pas, les femmes n'arrivent pas à l'aimer. Moi, je connais un frère qui m'a écrit. Oh frère, je n'arrive pas à trouver des femmes. J'ai dit, regarde ta veste, 6 boutons. En 2022, tu portes une veste de 6 boutons. Regarde ta chaussure, tu l'as même pas cirée. Ta chaussure regarde le ciel. Mais c'est quelle femme qui va t'aimer? Oui, les femmes, oh, tu cherches une femme qui va t'aimer, oui, mais quand même. Physiquement, il faut que tu t'aimes bien. Tu dors dans le salon de tes parents, tu as 35 ans, tu n'as aucun boulot, aucun salaire qui rentre. Tu demandes $20 au pasteur pour prendre le bus et tu cherches une femme. C'est pas le moment de chercher une femme. Quand on n'a pas l'argent, on cherche, quand on n'a pas l'argent, on cherche sa destinée, on cherche pas femme. Voilà. Un vrai homme ne cherche pas la femme. Il travaille et la femme vient à lui. Toi, tu penses que les milliardaires, là, ils cherchent femme. Il cherche pas femme. La femme reconnaît l'homme qui brille. La femme reconnaît l'homme qui travaille. La femme reconnaît l'homme qui est bosseur. Elle reconnaît. Toi, tu marches à pied, tu sens les aisselles, tu descends de l'autobus, tu viens à l'église avec ta Bible sous les aisselles et puis tu dis, ma sœur, je vais t'épouser. Elle va t'écouter, elle va rire. Eh, encore les filles d'aujourd'hui. Eh oui, il n'y a pas de problème. Mais quand elle va tourner les yeux, elle va voir le jeune médecin là. Elle va aller vers lui. Tu vas voir Goumet Gospel. Travaillez, les frères de l'église, bossez. Vous voulez toujours laisser les païens aller à l'université, les païens investir, les païens à créer des choses. Vous, vous êtes là toujours dans la Bible. Oui, il faut lire la Bible, mais il faut travailler. Il n'y a pas d'homme appelé en plein temps. Ça n'existe pas. Le plein temps n'existe pas. C'est une manière de voler l'argent du peuple de Dieu. Il n'y a pas de plein temps. C'est mensonge ça. Le plein temps n'existe pas. Moi, je sers Dieu. Est-ce que je suis en plein temps? Ce sont des voleurs. Le frère qui vous dit, oh, Dieu m'a appelé en plein temps. C'est un faible. C'est un voleur. Ne l'écoutez pas. Dis-lui d'aller travailler. Plein temps, ce sont les gens qui disent, je n'ai pas le temps pour aller au travail. Dieu m'a appelé pour le servir seulement lui. Non. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est du vol, mon frère. Va travailler. Va bosser. Tu travailles. C'est important. Moi, je reviens de New York. Je reviens comme ça de New York. Dans 4 heures de temps, je vais aller travailler. Je finis cette vidéo, je prépare mes trucs, je monte dans la voiture, je pars travailler. Ça m'a tué, ça ne va pas me tuer. Tu comprends? C'est ça. Donc arrêtez de mentir les gens, temps plein. Il n'y a pas de temps plein qui tient. Travaillez, gagnez votre argent, cela va vous donner le respect. Vous voyez, tous ces pasteurs-là vont prêcher que des messages que leurs fidèles aiment parce qu'ils travaillent pour eux. Dieu ne nous a pas appelés à rester les mains fermées, les mains croisées, puis attendre qu'un ange descende du ciel pour faire tomber la manne du ciel. Ça n'existe plus. Vous comprenez? C'est ça. Donc, les amis, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai fini.
On reprend les vidéos à partir de jeudi. Jeudi, nous avons notre vidéo confession. Nous allons commencer pour vos témoignages. Si vous avez quelque chose à nous confier, le jeudi, nous allons être là à la même heure. Venez nous raconter votre histoire. Dieu vous a guéri, Dieu vous a élevé. On a besoin d'entendre ça pour avoir encore plus de foi. Jeudi. Vendredi, nous revenons avec les signes pour reconnaître une mauvaise église. Nous allons commencer, nous allons faire signe numéro 2, c'est vendredi. J'espère que vous serez là. Comment séduire une femme qui ne veut pas être en couple? On ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'elle ne veut pas. Si elle ne veut pas être en couple, tu ne peux pas la séduire. Tu ne peux pas. Quand une femme ne veut pas être en couple, c'est un danger d'aller l'aimer. Parce qu'elle va te lâcher sur le chemin. Elle va t'aimer par plaisance. Elle ne va pas t'aimer parce qu'elle t'aime. Elle va t'aimer pour te faire plaisir. Et après, elle va te quitter et partir. Donc, quand une femme ne veut pas être en couple, laisse-la. Elle va regretter. On ne mendie pas l'amour. Laisse-la. Je me rappelle, il y avait une fille. C'était en 2020. Elle était très belle, jolie. Je l'aimais. Je suis venu lui dire. Elle m'a dit, non, j'ai pas le temps. Moi, je peux pas être là, j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas le temps d'être en couple, je veux pas être avec quelqu'un. Elle a pris son temps, moi je l'ai laissé, je suis parti. Et aujourd'hui, en 2022, cette fille est mère de 3 enfants avec des pères différents. Quand tu lui poses la question, elle dit tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont pas mauvais. Dieu vous donne toujours le choix d'avoir quelqu'un de bien. Mais c'est vous qui n'acceptait pas cette personne. Et cette personne part ailleurs. C'est tout. Donc ne force jamais une femme à t'aimer. Si elle ne t'aime pas, laisse-la. Parce que si tu forces une femme à t'aimer, demain, cet amour va devenir la haine. Comment demeurer dans la sanctification? Ok. D'abord, il faut comprendre c'est quoi la sanctification. Dans le mot sanctification, il y a saint. Ça veut dire se sanctifier, ça veut dire rester dans la pureté avec Dieu. Ça veut dire accepter de vivre dans la pureté. La sanctification, c'est demeurer dans la parole de Dieu, fuir le péché et laisser Dieu être maître de ta vie. Mais comment rester dans la sanctification? La première chose, il faut éviter tout ce qui te fait tomber. Faut que tu saches, tu es faible devant quoi? Un chrétien doit connaître ses forces et ses faiblesses. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Ils n'arrivent pas à détecter leurs forces et leurs faiblesses. Et pour détecter tes forces et tes faiblesses, tu dois prier que Dieu te les montre. Dans quoi tu tombes souvent? C'est quel péché qui te fait revenir souvent? C'est là que tu dois travailler. Moi, par exemple, je sais que je me fâche beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas être avec les gens qui m'énervent. Je ne dois pas me fâcher. Je dois tout faire et remplacer la colère par autre chose. Donc, c'est comme ça. Tu dois connaître tes défauts. Et ça va t'aider à avancer. Je réponds aux questions à Habacuc. Je réponds aux questions. Alors, deuxième chose, il faut lire la Bible. Lorsque tu lis beaucoup la Bible, la parole de Dieu entre toi. Et cette parole travaille ta vie. Ça t'éloigne du péché. Tu auras le dégoût. Troisième chose, il faut décider de laisser le péché. La décision qu'on prend nous pousse à fuir le péché. C'est comme moi, je décide de manger mon haricot. Je vais préparer mon haricot et manger. J'ai décidé, ça vient de moi. Alors, troisième chose, laisser le péché, la force ne viendra pas de toi, mais ça viendra de Dieu. Tu dois demander à Dieu de t'aider à abandonner le péché et de t'aider à marcher dans la sanctification. Il y a la différence entre un païen et un chrétien. Un chrétien tombe dans le péché par accident. Il prémédite pas le péché. Un chrétien tombe dans le péché et puis se répand. Mais un païen, lui, il prépare le péché. C'est comme un païen dit, je vais sortir avec cette fille, je vais coucher avec elle. Ça, c'est un païen. Mais un chrétien ne peut pas préparer le péché. Si tu commences à préparer le péché, demain, je vais aller faire ça, je vais aller voler, c'est que tu n'es pas chrétien, tu es païen. Tu comprends? Le péché chez un chrétien, c'est un accident. Ah, Seigneur! Pardonne-moi, tu reprends la route. Et ce qui est plus important est que quand tu tombes dans le péché, ne reste pas dans ce péché. Ne reste pas.
quand tu tombes dans le péché, demande pardon, relève-toi en même temps. Ne reste pas. Parce que si tu restes, tu vas avoir la comment on appelle ça? Pas la conscience, la culpabilité. Et le diable va utiliser ta culpabilité pour te détruire. Donc c'est ça. Sache que nous sommes justifiés. Et il y a un avocat assis auprès du Père qui intercède pour nous. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi quand nous péchons, nos péchés sont pardonnés parce que Christ intercède pour nous. C'est pas Maman Marie qui intercède pour nous. C'est Jésus-Christ. Voilà. Je sais pas si j'ai tapé les autres, mais c'est comme ça. Donc pour te dire ça, donc pour demeurer dans la sanctification, ça prend trois choses. Tes yeux, ta bouche, tes oreilles. Tu comprends? Et si j'ajoute les deux autres choses, tes mains et tes jambes. Tes yeux, tu dois contrôler ce que tu regardes. Tes oreilles, tu dois contrôler ce que tu entends. Ta bouche, tu dois contrôler ce que tu dis. Tes mains, tu dois contrôler ce que tu touches. Et tes pieds, tu dois contrôler là où tu vas. C'est très important. Donc, si tu contrôles toutes ces choses, ça va t'aider, toi, à pouvoir avancer. Tu dois contrôler les cinq sens afin que ta vie soit une vie bien dirigée. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, le diable utilise les cinq sens pour nous faire pécher. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il utilise nos yeux, nos mains, nos pieds, nos oreilles et notre bouche. Tu comprends? C'est ça qui est important. Donc, un chrétien qui sait discipliner ces choses-là, il saura bien diriger sa vie dans la sanctification. On vous a pas dit que vous devez vivre comme des super chrétiens. Il va arriver des temps où vous allez tomber, oui, mais relevez-vous, continuez à marcher. Parce que vous êtes des humains. Tant que vous aurez toujours ce corps, vous allez toujours tomber dans le péché une fois en passant. Mais levez-vous et puis avancez. La vie chrétienne est une école où on apprend tous les jours. N'écoutez pas les chrétiens qui vous disent qu'ils sont super saints. Il n'y a pas un chrétien super saint, à moins que tu meurs. Mais tant que tu es dans ce corps meurtri, tu seras appelé à être tenté tous les jours. Tous les jours est une journée de tentation. Tous les jours. Vous comprenez? Je viens de New York, je vis une ville où je n'ai pas vu parler de Jésus. Je vis une ville où les gens s'amusent. Je vis une ville où les gens ont le goût de la vie, mais j'ai pas vu Jésus dans cette ville. Vous comprenez? Alors qu'il y a certains pays, il y a certaines villes en Afrique où Jésus est partout, mais ils n'ont pas le niveau de vie que je vis à New York. Donc, pour vous dire que la vie chrétienne est une question de personnalité. C'est toi-même qui pratiques cette vie chrétienne. Quelqu'un peut venir te parler de Jésus, mais si toi-même tu n'acceptes pas, si toi-même tu ne prends pas ça en main, tu iras en enfer. Donc, n'allez pas à l'école parce que vous suivez, n'allez pas à l'église parce que vous suivez un pasteur, n'allez pas parce que moi je vous prêche, mais servez Dieu parce que vous le sentez au fond de vous, parce que vous lisez la Bible et vous pratiquez. Salut Francky, j'espère que tu vas très bien. Francky Look, la merve, salut. Donc, moi j'ai fini la vidéo ici, c'était juste un bonjour pour vous dire que je suis de retour. Voilà, je suis de retour de New York, comme je vous avais dit hier. Donc, on a passé des bons moments. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'étais à New York. Tout ce que j'ai fait à New York, ce que je vois comme attitude à New York, tout ce qui s'est passé. Alors, on va se voir le jeudi. Demain, on n'a pas de vidéo. On se voit le jeudi. Le jeudi pour une vidéo.